Alors, mal comme tout le monde, je dirais, avec beaucoup d'incertitudes, évidemment, beaucoup de moments aussi de plaisir et puis de bonheur, mais beaucoup d'appréhension liée à cette incertitude de ne pas savoir de quoi sera fait les semaines et les mois prochains. Donc quelque chose d'un petit peu particulier qu'on n'avait pas vécu auparavant. Alors, comme un temps de réflexion essentiellement. Ça pose beaucoup de questions générationnelles, de vie, donc beaucoup de questionnements. Une grosse baisse quand même dans tout ce qui est niveau du boulot, parce que ce soit par rapport au graphisme ou par rapport à la sérigraphie, on avait quand même beaucoup de boulot qui était en lien avec tout ce qui est événementiel. Du coup, comme ça, tout est tombé à l'eau, on avait beaucoup de boulot en moins, mais on a quand même réussi à rebondir sur d'autres trucs, et puis ça a été assez normal pour moi, à part les sorties et tout, sinon ça n'a pas changé grand-chose. Bon, ce qui a beaucoup changé, c'est les relations sociales avec les amis, les apéros, les sorties. On a quand même dû faire des concessions, c'est clair. On a quand même continué à faire un petit peu des apéros, mais avec les distances, avec les masques, c'est pas la même chose. Rester en santé, vu que je fais partie du groupe de à risque, comme on dit. Donc, j'ai toujours fait attention aux normes sanitaires. Là, c'est la raison pour laquelle aussi on ne pouvait pas recevoir les petits-enfants. Et j'ai été frappé et vraiment enchanté par la solidarité qu'on pouvait observer, les jeunes envers les personnes plus âgées et les personnes entre elles. Évidemment, sans oublier l'abnégation de tous les soignants, médecins, enfin, qui ont quasiment risqué leur vie pour permettre à des centaines de milliers de vivre et de ne pas tomber malade. Alors, je me suis rendu compte que l'union faisait la force et qu'il fallait, à mon petit niveau, parce que c'est vraiment à mon petit niveau, de continuer ce que je faisais avant, c'est-à-dire de porter un peu d'entraide, d'accepter d'en recevoir aussi. C'était un petit peu ça qui m'a paru décisif pour cette période. Au début, ça a surtout été le confinement, de devoir s'isoler, plus voir personne, c'est quand même pas facile. Après, petit à petit, on s'est quand même tous un peu habitués à ça, et puis maintenant, ça reprend un peu. Mais ouais, surtout au début, s'attendait pas à ce que la solitude ça soit autant compliqué à vivre. Peut-être de voir l'interprétation des gens sur toutes les questions de santé qui sont un peu, ça part un peu dans tous les sens et on voit qu'il n'y a pas forcément de grandes réflexions autour de la santé personnelle de chacun, etc. Parfois de se faire une vraie opinion entre les différentes générations parce qu'on a dit beaucoup de choses et puis par moments on s'est fait beaucoup de soucis pour nos parents, pour les personnes plus à risque, pour les personnes plus âgées. Et puis par moments on avait un peu l'impression de gaspiller des années de vie de notre jeunesse. Donc d'avoir une opinion claire là-dessus et puis de ne pas se sentir coupable de penser certaines choses et puis en même temps d'avoir du souci pour les personnes plus âgées. Oui, alors il y a beaucoup de choses positives au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau des budgets qui ont pu être débloqués, au niveau des prises de conscience. Il y a énormément de points positifs qu'on pourrait développer longuement. Ce qui a été positif justement, c'est voir cette solidarité qui s'est établie entre les jeunes et les personnes plus âgées. C'était fantastique. Et puis l'abnégation, comme je l'ai dit, de tout le personnel soignant. Peut-être pour moi pas, mais j'ai vu pas mal de gens autour de moi à qui ça fait du bien, à d'autres du mal, mais on peut voir aussi pas mal de changements positifs dans la tête des gens. C'est comme un événement qui a chamboulé pas mal de choses, autant au niveau personnel pour les gens que professionnel. Et puis je pense que ça a fait pas mal changer les idées. Enfin, en tout cas, ça bouscule un peu le truc et puis ça peut peut-être amener des bonnes choses. Alors les espoirs, c'est clair que cette pandémie s'arrête, qu'on puisse reprendre notre cycle de vie normal, les sorties, surtout les masques. On espère qu'à la rentrée scolaire, cette année au mois d'août, on n'ait plus besoin de mettre les masques, pas que pour les enseignants, mais aussi pour les élèves. Et puis dans la vie privée aussi, quand on va faire les commissions, on va au magasin, c'est toujours un petit peu pénible avec ses masques, surtout avec la chaleur qu'il fait actuellement. Si on peut arrêter ça, ce serait déjà une bonne chose. Et puis bon, en espérant que
que ça s'arrête, comme on a eu à l'époque la grippe et toutes les autres maladies, qu'avec le vaccin, ben, il y aurait moins de cas. Personnellement, j'espère qu'on pourra et on saura tirer un petit peu des leçons, exactement par rapport à ce que j'ai dit, de savoir que le contact humain compte, et puis de savoir placer des valeurs dans des choses simples de la vie, comme pouvoir être proche de nos grands-parents, pouvoir se toucher, pouvoir se serrer une main, et puis savoir la valeur que ça a. Alors, mes espoirs personnels pour l'avenir, ça se résume en 3 T. Avoir un travail, avoir un toit, prendre soin de notre terre, et puis je rajouterai l'éducation et la santé pour tout le monde. Bah, c'est toujours le même type de raisonnement, quoi, que la santé ça sorte de l'argent, et puis qu'on se concentre, ouais, faut mettre un peu plus d'attention sur les êtres humains avant qu'ils tombent malades, au lieu de les laisser tomber malades et après, enfin de se laisser tomber malades et après devoir gérer des pandémies à grande échelle. Évidemment que cette pandémie disparaisse le plus vite possible, que tout le monde puisse avoir accès au vaccin, et puis évidemment la paix dans le monde, parce que c'est quelque chose de tellement important. Et c'est ce qui nous permettra aussi de vaincre ces problèmes pandémiques. Que j'espère, que ça change sans qu'on en arrive à passer par des phases trop hardcore pour tout le monde. Mais je sais pas si ça va marcher, ouais. Mais ça sera un peu le but, quoi. Je dirais que ça n'arrive plus, mais puisque ça arrivera à nouveau forcément un jour, parce que les virus circulent et puis que les pandémies existent, d'avoir une réponse un peu plus coordonnée, parce qu'on avait un peu l'impression que c'était une cacophonie générale de temps en temps, entre pays et entre régions même, puis espérons qu'on arrive à vivre avec ça. Bon, bah, que dans tous les pays, on puisse faire le nécessaire pour arrêter cette maladie, ce virus, et puis qu'on puisse de nouveau voyager librement. Aller dans nos villes jumelées, par exemple.